Before you sit down, tell your neighbor, persevere. 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 Amen. Glory to God. Glory to God. Merci, pasteur Jean-Pierre. Glory to God. Thank you, Pastor Jean-Pierre. Great job. Merci, pasteur Catherine, for the translation. Thank you for the translation, Gloire Pastor Catherine. Pastor no. Catherine. Glory to God. It's a joy. Volaire à Dieu, frères et sœurs. Ce matin, nous allons parler d'une chose particulière. Brothers and sisters, we're going to speak about a very particular thing today. Nous allons parler des rêves de Joseph. We're going to talk about the dreams of Joseph. Mais ce que je voudrais que vous fassiez ce matin, c'est enlever Joseph et mettez votre prénom. But in the place of the name of Joseph's name, as we say this message, I want you to put your name. Parce que Dieu a donné des rêves à Joseph. Because God gave dreams to Joseph. Mais Dieu t'a aussi donné un rêve. But God gave you dreams as well. Et ce rêve vient du ciel. And these dreams come from heaven. Et de la même manière que Joseph a, a suivi tout un chemin jusqu'à l'accomplissement de ce rêve. Dieu veut aussi poursuivre un chemin au travers de ta vie pour que ton rêve s'accomplisse. Car c'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas été enlevé That's après le salut. You the you saved. Parce que le rêve qu'elle a mis en toi, il doit s'accomplir. Be pour la gloire de Dieu. Alors ne te dis pas tu es là par hasard. So don't tell yourself, You're just here by ne dis pas tu as été sauvé et point, plus rien après. Yourself, okay, Même si tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Même si tu as l'impression que c'est la confusion. Even if you find yourself in a time of confusion. Dès lors que Dieu t'a sauvé. From the moment God saved Dieu you. Dieu t'a donné un rêve. He gave you a dream, un rêve qui vient de son cœur. And it is a dream that comes from his un heart. Un rêve qui fera la différence autour de a toi. A dream that'll make a difference through you and in you. Et il veut que ce rêve s'accomplisse. Mais serons-nous prêts? Pour voir le rêve de Dieu Will we be ready to see the dreams of God accomplished in our lives? Et pour comprendre ça, on verra des clés dans la vie de Joseph. In order to better understand this, we're going to look at some keys in the life of Joseph. Parce qu'il y a également une révélation que nous devons avoir frères et sœurs. Because such an important that we need to have. C'est la réalité de la dimension du combat spirituel. One of the things we need to grasp is the reality of the spiritual warfare related to these dreams. La, la réalité de ce the reality that there are demonic forces that have been mobilized to kill your dream. We need to understand that the important thing for God, for you and I, is Christ in us. Et, et, La volonté de Dieu doit s'accomplir. Donc Christ en nous, c'est espérances de la gloire. In us is the hope of glory. Et c'est cette gloire, ni toi ni moi, mais c'est cette gloire qui est en toi qui, est, qui fait peur au royaume des ténèbres. Parce qu'il sait que si cette gloire est manifestée et qu'elle arrive à son plein potentiel, tu vas bousculer. Et, et, et détruire les œuvres du diable. Là, tu vas devenir réellement dangereux. Et on va voir comment les esprits se sont mobilisés pour que le rêve que Dieu a mis dans le cœur de Joseph soit détruit. De la même manière qu'ils se mobilisent, il faut que tu en sois conscient

Et ce que nous voyons n'est que la conséquence de tout ce qui se passe en permanence dans ce monde. Donc si nous n'avons pas des, des yeux spirituels parfois pour comprendre les choses, nous allons faire fausse route. Et nous avons un ennemi qui, qui veut toujours que nous ayons une vision une lecture charnelle et humaine des choses. Mais quand on comprend les choses par l'esprit. C'est seulement là qu'on peut commencer à déjouer les ruses du diable. Sommes-nous prêts à déjouer les ruses du diable Alléluia. Vous savez, Joseph, Joseph a eu d'abord un temps de galère. Before Joseph realized his dreams, he had to go through difficult a difficult process. Certes, Joseph a reçu des, des, des visions. l'histoire de Joseph s'étale entre Genèse 37 et Genèse 50. You can read his whole story from Genesis chapter 37 all the way to the end of Genesis chapter 50. Sauf le chapitre 38 qui, qui traite de l'histoire de de, 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 de Juda et Tamar. With the exception of chapter 38 in there, it's sort of like a parenthetical story of Judah and Tamar. Donc vous étudierez ces chapitres pour mieux aller en profondeur par rapport à ce que je vais dire maintenant parce que je ne pourrais pas tout dire. I won't be able to share the whole message with you today, but if you want to study it in more depth this week, you can read from Genesis 37 to 50, skipping 38. Mais nous verrons que Joseph, Joseph a reçu des rêves de Dieu. We all see how Joseph received dreams from God. Lui-même n'a pas trop compris ce que voulait dire ces rêves.

challenges and incidents that were very Parce que frères et sœurs, il y a une chose qu'il faut absolument que vous compreniez aujourd'hui pour que ce soit bien clair. To ne crois pas que quand tu reçois la vision de Dieu, tout de suite tu rentres dedans. Don't start to believe that as soon as you receive right right C'est trop facile. It's too easy. Je te donne le rêve. Here's the, here's the dream my child. You jump in it. Et vous pouvez sauter dedans dès le départ. Non non non, c'est plus It's compliqué like que that. ça. No. Joseph reçoit les rêves à 17 ans. Joseph was 17 years old when he Genome. received his dreams. A very young man. À 30 ans, It was only at the age of 30. Il se retrouve devant Pharaon. He found himself in front of Pharaoh. Là, il a la percée. And that's where he saw the breakthrough. That devant, many years later. Devant Pharaon, il se retrouve à l'endroit Où toujours voulu soit. it was before pharaoh where god wanted to place him au bon moment, at the right time au bon endroit, in the right place devant la bonne personne, to see the right person au temps favorable. in the favorable, favorable timing of the lord Et tout ce a traversé, pour ce and everything that he went through was meant for that very moment there now it got quite complicated for joseph Et pendant ce temps, pendant ces 13 ans qui vont s'écouler, les esprits vont se mobiliser pour le mettre à so, 13 years to put an end to his dreams. Comprenez bien que les, les, les puissances n'avaient à faire aucun cas de Joseph. Ça aurait pu être un autre des frères. This, Vous savez ce qui est étonnant c'est que les puissants des Thèbes ont compris que le combat n'est pas la chair et le sang. Ce que nous, nous avons du mal à comprendre. Pourtant, c'est dans la Bible. Mais ils l'ont compris. But the ils, that. ils ont compris que le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas la chair et le sang. He, the demons understand that the problem is not you or me, not flesh la and blood. We're talking toi. about the power of the promise of God given to Et us. And devils and demons understand that that's where true spiritual warfare takes place. And as long as we don't understand that this is where the spiritual warfare takes place, nous allons tourner longtemps autour de la we're just going to keep going around in circles.

When Joseph was blessed, he had greater influence. C'était plus d'autorité. He had greater authority. C'était plus d'impact. He had greater impact. C'était plus de responsabilité. He had greater responsibility. Donc frères et sœurs, si vous vous dites là, c'est le combat quand la bénédiction vient, c'est relax. So, if you say to yourself when the blessing comes, I get to relax. Peut-être peut que je vais décevoir certains, oui. C'est faux. You're wrong. Non, non, ce ne sera pas les, les, les vacances. Ce ne sera pas le moment où on déroule, on écoute cool, tranquille, on se relâche. Ce ne sera pas le moment de lay back and relax and do nothing. Non, non. Au contraire, la bénédiction de Dieu sera pour chacun d'entre nous plus de responsabilité. To the contrary, when the blessing of God comes on us, that means He's giving us greater responsibility. Ah oui, plus d'onction, plus de grâce, plus d'autorité. Oui, mais plus de responsabilité. We're talking about greater grace, greater anointing, greater authority, but with that comes greater responsibility. Des combats avec des ennemis plus puissants. And with it comes battles with more powerful enemies parce que les ennemis nous allons voir que Joseph qui vont combattre Joseph là quand il commence à 17 ans. We'll Joseph 17 Ce sont des esprits méchants. These are evil spirits. Dernier de la catégorie. Mais quand il va arriver au niveau de, de pharaon quand Dieu va l'établir à ce niveau. However, when he reaches the point where he finds himself before Pharaoh, Pharaoh, la frise des sœurs c'est la principauté de l'Égypte. That is where he's confronting the prince, prince of This monde is de a ténèbres. principality that has been threatening the entire known world. Autre autorité. That's a totally different level of authority. Autre niveau de combat. It is a totally different level of spiritual warfare. Autre nécessité de consécration. It is a totally different requirement for consecration. Autre exigence de Dieu à son égard. It is a totally different requirement from God. Moins de tolérance de Dieu. And a lot less tolerating things that he could when he was younger. C'est ça la bénédiction de Dieu. That's what I'm talking about when I refer to the blessing of God. C'est tout cela. qu'il faut avoir à l'esprit. Amen. Dans les premiers versets, les versets 1 à 11, in 37, 1 11, on va lire juste 11 versets qui vont nous planter un peu le décor pour voir, frères et sœurs, que... Les esprits commencent à agir bien avant même la vie de joseph. we're just going to read the first 11 verses so that we understand the context in which god was able to give joseph these dreams genesis 37 1 to 11 now jacob lived in the land where his father had stayed the land of canaan this is the account of jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bela, the sons of Zilpah, his father's wives. And he brought a, their father a bad report about them. Now, Israel, that's the father, loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age. And he made a beautiful, ornate robe for him to wear. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him. And they could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brothers said to him, Do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. Listen, he said, I had another dream, and this time the sun and the moon and the eleven stars were all bowing down to me. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, What is this dream you had? Will your mother and I actually, and your brothers, actually come down and bow to the ground before you? His brothers were very jealous of him, but his father kept this matter in mind. Amen. Frères and les esprits travaillent en équipe. Brothers and sisters, you need to know that demons always work in teams. Car ils ont très vite compris la puissance de because they too have understood, understood the power of unity. Là où nous, nous avons un défi. And this is where we see the effect. Pour travailler ensemble, uni. We too, when we work in unity, we have a greater effect. Et là, chacun a une sphère, un périmètre d'intervention. Each one of us has a particular sphere of influence. Et contrairement à ce qui se passe parfois dans le corps de Christ, personne n'empiète sur le territoire de l'autre. Personne n'empiète. And contrary to what you might see in the body of Christ sometimes, people um don't take over the sphere of influence of someone else. Et vous savez, dès qu'ils trouvent une porte ouverte, Pouf, l'influence commence. Et là, Jacob a sous-estimé quelque chose. C'est la puissance de l'impact que le père imprime dans l'âme de ses enfants. Parce que Joseph, euh, Jacob a aimé...

Tout d'abord auprès de Joseph, l'orgueil, la vanité, la prétention. The first demonic force we see operating is in the life of Joseph himself. Parce qu'on lui a toujours dit depuis qu'il est petit qu'il est le meilleur, qu'il est le préféré, qu'il est le plus beau, et c'est lui qui avait le plus de cadeaux. He was influenced by pride. Why? Because ever since he was little, he was the nicest, he was the most handsome, he had all the gifts, T he had more than everybody else. Terrain fertile pour l'orgueil, la vanité, la prétention. These kinds of compliments and flattery are a fertile ground for pride to take root. Et nous verrons que quand Dieu va commencer à, 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 à agir pour transformer, pour étirer Joseph, cet esprit, lui, c'est en prison seulement qui sera vaincu. Mais ce qui a été également libéré, c'est du côté des frères c'est la, la, la frustration, les esprits d'amertume, de rancune, de jalousie. The second set of demonic forces that were in operation were in Joseph's brothers, and here we see jealousy and anger and hatred and bitterness and resentment. Et comme les puissants des ténèbres ont vu les, les rêves de Dieu que, qu qui, que, que Joseph a reçu, because the demonic forces saw that Joseph had received dreams from God. Comme toi et moi nous recevons. As you and I dreams from God, il s'agissait maintenant de mettre en place une stratégie pour tuer ce rêve. Et frères et sœurs, je disais solennellement ce matin que si pour tuer la vision, le rêve que tu as mis en toi, le, notre ennemi doit te tuer physiquement, il le fera. And il I essaiera de le faire. I say this in all The enemy has to kill you to kill the dream in you. He will do it. He won't hesitate. But God knows no limits. As we see in the book of Job, God spoke to the seas of the earth and said, You will go this far and no further. Donc, malgré tout ce que le diable essaye de faire, il y a toujours une limite que Dieu fixera quand on est fidèle, qu'il ne pourra jamais dépasser. Et c'est souvent celle de notre vie. And this is this often in our lives. Mais donc là, la stratégie était à partir de cette erreur de Jacob au début, c'est d'exploiter ça pour percuter. So the demonic strategy that began with the father's mistakes and continued through the brother's mistakes were in fact targeting the dream that was in Joseph's heart. Et quand, quand un esprit finit de faire son travail, il passe le relais. When the first group of demons had done their job, they passed the baton to the next group of demons to take over. Et un esprit de jalousie qui est extrêmement poussé peut arriver, peut, de, peut passer le relais à un esprit de meurtre. And a spirit of jealousy, which develops into something so strong that it actually can become a spirit of murder. On peut tuer par jalousie. People have been murdered because of jealousy. Pas le fruit du hasard. It's not an accident. Des esprits qui ensemble. These, this is the result of these spirits that work together. Donc, ils attendaient simplement une occasion pour que cette jalousie qui était là, la jalousie puisse passer le relais à l'esprit de meurtre. Et l'occasion s'est présentée dans la suite du passage que nous avons lu, quand Jacob a envoyé Joseph pour aller voir comment se portaient ses frères qui, qui, qui étaient en train de paître le troupeau. And that happened when Jacob asked Joseph to go see what his brothers were doing and if they needed anything while they were watching the flocks. Et dans ce passage, à un moment donné, on va voir clairement le, le diable qui se révèle. So we see here that how the demons begin to wake up au and chapitre, reveal themselves. Chapitre 37, au verset 20. Il faut comprendre ce passage par l'esprit. We need to understand what we're reading in Genesis 37 by the Spirit. We're going to look at verse 20 which says come now this is one of the brothers talking let's throw joseph into these cisterns one of these cisterns and kill him and just tell our father that a ferocious animal attacked him and devoured him then we'll see what happens to his dreams. Et nous verrons ce de ses rêves. then we'll see what happens to his dreams you see what they were attacking.

tuer Joseph et le rêve en même temps. Mais frères et sœurs, c'est là où Dieu But intervient. Dieu intervient. Dieu souverainement came into qui the intervient the pour protéger la vision qu'il t'a donnée et qu'il m'a donnée. Protect the vision, to protect the dreams that he gave Joseph Quand toi tu ne peux rien faire, lui qui voit toutes choses, il intervient pour protéger la vision. When you can't do anything about it, God himself sees the problem and intervenes on your behalf. Car rien ne peut tuer la vision de Dieu si tu es fidèle. Because if you remain faithful, nothing can kill the vision of God. Comprends-tu cela Do you understand this? Car Dieu Meda. te le dit Rien ne peut Here tuer this, la vision de Dieu si tu es fidèle. Alléluia. Amen. Pourquoi Je, Dieu utilise Ruben et Judas. Qui disent non à deux moments différents. Non, 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 ne versons pas le sang de notre frère. À deux différentes times, ils se protestaient. Ils disaient non, 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 let's not shed our brother's blood. Frères et sœurs, c'était une intervention divine. Ce n'était in pas naturel, c'était divin. Uh, c'était Dieu qui protégeait Joseph et en même temps la vision qu'il a donnée à Joseph. Parce qu'on n'oubliait pas, quand, je, quand Dieu parle à Job, il lui dit Quand j'ai créé la mer, je lui ai mis des barrières et des portes. As we saw in the book of Job, God says to the sea, "I'm putting a barrier up; you will go no further." In the same way, he was—it was like God was saying to the brothers, "Your pride and your faults have gone far enough; they shall go no further." And he established a barrier for those things to go further. Donc cette stratégie a échoué. So their strategy, the demonic strategy, failed. Il fallait trouver un autre plan. And then they brothers had to come up with a different plan. Et là la décision est prise d'exfiltrer Joseph en Égypte. And that's when they made a decision to exfiltrate Joseph and send him to Egypt. Car en envoyant Joseph loin de son père chéri, loin de 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 sa sécurité, mais comment le rêve pourrait s'accomplir Il serait Because perdu. They said to themselves, if we send him far away from his beloved father, far away from our nation, then his dream will never come become to pass. Joseph dans une nation païenne ne connaissant personne qui ne n'adore que des dieux païens, comment le plan de Dieu peut s'accomplir? If we send him to a foreign country with all these foreign pagan gods, how can his dream come to pass? Donc Joseph est envoyé en Égypte. So they send him to Egypt. Mes frères et sœurs, là encore, Dieu était au contrôle. But even in this situation brothers and sisters, God was totally in control. Amen. Amen. Ses frères l'ont vendu, un acte terrible. Mes frères et sœurs, même dans les actes les plus terribles que nous pouvons traverser, Dieu reste au contrôle. Even when we go through the worst possible actions at the hands of other people, God remains in control. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui ce que tu peux vivre ou traverser ou ce que tu as traversé, dis-toi que Dieu reste au contrôle. And even if today you're in a place where you've gone through a whole series of terrible situations, tell yourself My God is in control. Comment pouvons-nous comprendre qu'effectivement des frères vendent leur propre sang, leurs propres frères à, 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 à des commerçants? Together, Et ensuite organiser avec des esprits de mensonge. Et Faire croire à sa mort. Mes frères et sœurs, même dans cette tragédie, Dieu était au contrôle. Even in this tragedy, God was in control. Même dans les tragédies que tu peux traverser, Dieu reste au contrôle. Reçois cette parole, Laurence. Reçois cette parole de la part du Seigneur. Pourquoi, frères et sœurs Why, brothers and sisters. Parce que le plan de Dieu pour Joseph était l'Égypte. Je trouve que c'est trop risible, risible. C'est rigolo. Uh, this is the funny part about the story. Parce que Dieu, qui voulait emmener Joseph en Égypte, n'a même pas eu besoin de s'occuper du trajet, du transport. Knowing that God wanted Joseph in Egypt, he didn't even have to pay his ticket to get there. ont payé le billet. Parce que la vérité frères et sœurs, sachez-le, les, les puissances qui, vous, qui, nous, qui nous percutent ignorent le plan de Dieu. forces Depuis quand ils sont partis sonder le cœur de Dieu pour savoir ce qu'il veut faire de ta vie How can they possibly know what's in the heart of God depuis to make quand, your life? Depuis quand est-il capable de connaître la pensée de Dieu, du grand Dieu à ton égard, pour Since savoir ce qu'il veut faire dans ta vie? Do demonic forces know what is the thoughts, what are the thoughts and the plans of God concerning your life? Il ignore. Never. They've never known that and they never will. La preuve, il ignorait qu'en envoyant Joseph en Égypte, il était au bon endroit. The proof is, even these demons who used Joseph's brothers uh, to send him to Egypt didn't realize he was going to be there at the right time. Exactly, comme ils ont envoyé Christ à la croix. In the same way that they sent Jesus to the cross. They had no idea. Ciel, qu'est-ce qu Heaven on earth. Trop tard. Too late. They realized, oh no. Déjà piégé. Fini, trop tard. We fell into the trap. Il est arrivé après le match. Le he, diable. The devil gets there after the battle, after the game. Donc, frères et sœurs, là encore, Dieu a utilisé cette situation pour continuer à faire en sorte que le son plan pour Joseph s'accomplisse. And realizes it's too late. So, in the same way, in the life of Joseph, God used that scenario to bring Joseph into the center of His will. Ils ont commencé à comprendre ce qui se passe quand ils ont vu que Joseph, dans la maison de Potiphar, Potiphar est un officier royal qui a acheté Joseph. Et là, ils ont vu que Dieu commençait à bénir cet homme dans la maison de Potiphar. ça! Dieu commençait à élever cet homme dans la maison de Potiphar. Joseph commençait à avoir de l'influence dans cette maison. And Joseph redevenait in dangereux. Et là, il fallait mobiliser une autre stratégie. Quand tu tiens ferme, frères et sœurs, quand tu tiens ferme, firm, et que tu évites une ruse. De ton adversaire, notre adversaire. Et, et, et que tu continues à grandir et avoir un impact. Et, et, et à à avoir un impact. Ne te fais pas d'illusions, une autre stratégie se mettra en place contre toi. Ne baisse pas la garde, ne baisse surtout pas la garde. Don't let your guard down. Amen. Et là, il se trouve que Potiphar avait une femme. So we find Joseph in Potiphar's house and he has a wife. And every time Potiphar went off to work, Mrs. Potiphar found himself with this handsome car, young car, June, a Hebrew named Joseph. The Bible even tells us that he was a very handsome young man, this Joseph. Donc là, stratégie. So, de va faire job. The demons say to themselves, okay, we've got a new strategy now. L'esprit de, de séduction maintenant est envoyé pour faire le changement. send le into job. the situation? The spirit of seduction. Yeah. Et l'esprit de séduction maintenant se met en action. And that's when the spirit of seduction begins to operate. Un esprit extrêmement dangereux. This is a very dangerous spirit, by the way. The spirit of seduction can even do great damage in the body of Christ. Et nous devons être extrêmement and we need to be very, very alert and vigilant. Cet esprit a, a harceler, Joseph tous les jours. This spirit came to torment and hassle Joseph every day. Frères et sœurs, ce n'était pas simplement pour avoir un, un temps de plaisir avec Joseph, non. La vérité est que cette femme était même instru instrumentalisée, elle ne comprenait même pas ce qui se passait dans l'esprit. L'objectif était de mettre Joseph hors jeu, n'oubliez pas, et de tuer le plan et la vision de Dieu. Don't forget the whole goal in this demonic strategy was to kill the plan of God or the dreams of God in le, Joseph. Le but c'était que la gloire qui devait se manifester et, et faire des dégâts dans le dans le royaume des ténèbres ne devait pas ne devait pas ne devait pas être réalisée et manifestée. In order to hinder the manifestation of God's glory in this in Joseph's life from accomplishing God's will. Il fallait l'avorter. Donc l'esprit de séduction a essayé, et quand ça devenait très compliqué. So the spirit of seduction tried to trap Joseph, and that's where complicated. Parce qu'elle n'allait pas par quatre chemins, Madame Elle n'allait pas par quatre chemins. Elle était directe. She went directly to Joseph. She didn't beat around the bush. C'était Come on right now. She was very demanding. Tout et à un moment donné, Joseph, frères et sœurs, il s'est dit Là, c'est compliqué. And that's when realized, Boy, this is et alors que certains êtres spirituels vont commencer à dire Je gère, je domine, je vais lier, je vais prendre autorité sur ma chair. Mais certains des plus spirituels parmi nous ont peut-être réagi différemment et ont dit Oh, je peux gérer ça, je peux gérer ça, je Je gère, je gère, je gère. Frères et sœurs, Joseph a fui. Listen, what did la Bible qu'il a il a fui. He fuie. ran away, he fled, he didn't try to manage the situation. Il, il, il a fui tellement dans la panique que même son vêtement est même resté dans la main de la dame. He was so panicked when he ran out of the room, he left his coat. Il s'en fichait, it? il a fui. It didn't, care. He didn't matter il, to him, he ran, he pe fled. Peut-être qu'il était en caleçon, Joseph. mais il a fui. Il a décidé de fuir. Mieux, mieux vaut fuir en caleçon et sauver la vision de Dieu. Que rester habillé effectivement et puis perdre la vision de Dieu. And lose your vision, lose your destiny. Joseph a fait son choix. Frères et sœurs, surtout la jeune génération, non pas que les aînés ne soient pas concernés aussi. Vigilance. brothers and sisters god is calling us to be vigilant to be alert especially young people not neglecting the older ones this is a very very dangerous spirit Dans 1 6, paul a dit, in 1 corinthians 6 paul wrote to the christians and said flee immorality Il a pas dit, he didn't say try to negotiate with that demon paul a dit, he said flee fuyez run fuyez go Mais toi, tu veux maîtriser. Frères et sœurs, tu seras maîtrisé. No, Il y a quelqu'un que, que, qui est dans cette situation, mais je ne te montre pas pour préserver ton témoignage. There is someone right now facing a situation like this, I'm not going to name you to protect you, but you're facing it. You know God is speaking to you right now, and you need to be very careful. God is saying to you, flee now, stop this relationship. You hear the voice of God, you know Dieu that God vois. is Dieu talking to you, God is seeing you. Arrête cette situation. Stop that relationship. Et ce que Dieu me dit ce n'est pas la première fois qu'il te le dit. Alors cette fois-ci obéis au nom de Jésus. Amen. Il a fui Joseph. Joseph fled. Frères et sœurs, chaque fois que vous allez résister au péché. Pour préserver la gloire que Dieu a mis en vous, to la vision de Dieu. Il faut que vous, vous compreniez que par rapport au combat spirituel qui est là, que vous allez payer un prix. That going to be a price to pay. Si vous ne voulez pas payer de prix, soyez dans le compromis. Mais vous perdez la vision de Dieu. Mais à partir du moment où vous rentrez en guerre, But from the moment you commit yourself to that spiritual warfare, the moment you take a position and you say, no way, Je refuse, de compromettre le plan de Dieu. I refuse to compromise the plan of God. Là, vous payez un prix. Joseph a subi les, les fausses accusations. Madame Potiphar, quand le mari est arrivé, elle a, quasi, elle a quasiment accusé Joseph de viol. In the case of Joseph, he suffered false accusations of every kind. Even Potiphar's wife accused him of raping her. Donc, l'esprit les, 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 de séduction vient derrière l'esprit de mensonge, de calomnie. Comme, comme par hasard, le diable, qui veut dire calomniateur. So we see how the spirit of seduction is followed by a spirit of slander and a spirit of lying and we see how they work in a team. Et là le témoignage pareil le témoignage sali. And that is what could ruin Joseph's testimony. Et Joseph se retrouve en prison dans le désert. And as a result he finds himself in prison in the middle of the desert. Se retrouve étonnant frères et sœurs c'est que c'était au moment où Joseph commençait à être élevé It was just chez Potiphar. At the moment when Joseph was beginning to be promoted in, in Potiphar's household. Frères et sœurs, des fois, il y a des choses qui se passent dans l'invisible qui nous dépassent. You know sometimes things happen in this invisible realm that we don't even understand. Joseph n'était pas dans le péché. Joseph wasn't in sin. Joseph Était inter et fidèle dans la maison de Potiphar. He was faithful, he, ha, he was a man of integrity as he served in Potiphar's household. And God had already started to bless him and started to raise him up. Et pourtant, à cause de ce se en but despite all of this, because of the spiritual warfare going on, Joseph dans finds le, himself in prison. Dans le désert. In the middle of the desert.

Parce que dans le dans la prison, Dieu avait encore un plan. In prison, even God had plan. Vous savez, la Bible dit que quand Jésus a été, rempli, a été baptisé et rempli du Saint Esprit, l'Esprit le de Dieu

Don't, uh, don't forget, one of the reasons Joseph found himself is, what, in prison was because God needed to deal with and uproot that spirit of pride that he had when he was younger. Il fallait, il fallait arrêter son influence sur Joseph, plus précisément, parce qu'on peut pas tuer un esprit. You can't kill a spirit, but God's intention was to stop the influence of the spirit of pride. Et ce qui est extraordinaire, là encore, les, 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 les plans de Dieu sont voilés aux yeux de l'ennemi. And for the time being once again we see that God's plans were hidden from the enemy. Parce que dans le désert frères et sœurs, même dans le désert, Dieu suscite des connexions parfois divines. Because even in the desert, God can raise up divine connections with significant people. Parce que Joseph devait rencontrer dans la prison les chansons du roi. It was in the prison that Joseph was meant to Meet the cup of Pharaoh. Les chansons du roi, celui qui porte la coupe du roi, la coupe vers le roi. La coupe de vin. Is the one who wine to the king. Et, et cette connexion divine, Dieu va l'utiliser deux ans plus tard pour positionner Joseph devant Pharaon en personne. Donc frères et sœurs. Dans le désert, ne perds pas courage. In the desert, brothers and sisters, don't lose heart. Dans le dans le dans le désert, ne te déconnecte pas, ne te déconnecte pas de ton Dieu. When you're in the desert, brothers and sisters, don't be disconnected from God. Parce que dans ce désert, Dieu continue à faire des choses extraordinaires dans ta vie. Because God is continuing to do extraordinary things in your life, even in the desert. C'est dans ce désert que le, les, les dons commencent à se à se libérer even sometimes in the desert it's where your gifts come forth and are freed released. car ces deux hommes le panetier et les chansons ont des rêves que Joseph interprète you remember the story you had the bread uh, the baker and the cupbearer and they had dreams and Joseph was the one who supernaturally interpreted their dreams donc Joseph a, a, su, a su faire opposition à l'influence de de d'amertume de rancune, de frustration qui pouvait saisir son cœur par rapport à sa situation qui était réellement injuste. Mais voyez, frères et sœurs, c'est un exemple pour nous parce que si Joseph tombait là-dedans dans ce piège-là, il n'allait pas libérer la grâce de Dieu. And this is a real lesson for us to learn because if Joseph had fallen into that trap of bitterness, we, he would have never released the grace of God around him. Si dans le désert ton cœur est trop troublé parce que tu vis par le poids de la vie, des défis, des challenges, tu vas passer à côté de la grâce de Dieu. If you find yourself in a desert and your heart becomes heavy and complaining and murmuring because of the difficulty of the situation you might lose the grace of God Parce que souvent dans ce désert que le meilleur de toi sera manifesté Because it's often in the desert where the very best of God in your life comes out Donc Joseph loin des paillettes loin des caméras avec un petit auditoire il a su dire non à l'amertume et, et à être une source de bénédiction. It was in prison Joseph all by himself without cameras and paparazzi around him he knew how to renounce bitterness and resentment. Frères et sœurs dans le désert soient une source de bénédiction. We too in the desert can be a source of blessing to those around us. Restons une source de bénédiction. Let us remain a source of blessing wherever we go. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, frères et sœurs, l'objectif, c'est quoi C'est de nous éloigner de plus en plus de la vision. Alors au lieu de s'approcher de la vision, frères et sœurs, elle s'éloigne. Mais en fait, la vision ne bouge pas. C'est nous qui nous reculons. Further further et là, ce qui est merveilleux, c'est que dans cette, dans cette prison, au moment favorable, ce que Joseph va faire par la manifestation des dons va impacter le reste de sa vie. And what's amazing that it's exactly in the prison, through the grace of God um, and the favorable timing of the Lord, Joseph is revealing the glory of God through the giftings operating. Car cet homme, names. les chansons, il est sorti de prison et pendant deux ans, il a oublié Joseph qui lui avait dit, pense à moi. Joseph said to the cupbearer, you're going out of prison now, so in remind rem, remember me and what I've done for you. However, the cupbearer went back to his position and totally forgot about Joseph for two years. Why? Because God still had two more years of work to do in Joseph's heart. Dieu avait besoin de d'étirer de, de Joseph, d'élargir Joseph. God needed to stretch Joseph even more, to enlarge Joseph even more, de le réajuster, and to adjust his, heart and his life even more. De, de de le libérer définitivement de l'influence de l'orgueil. And to autres. totally deliver him from every last trace of pride. Et autant favorable de Dieu. And it was at the favorable time of the Lord. Frères et sœurs, Dieu. Suscite les opportunités. God provided the opportunity. Frères et sœurs, ne, ne, ne cherchons pas à fabriquer naturellement, de manière artificielle, les opportunités divines. Brothers and sisters, don't try to create an opportunity in a way that's human or carnal or artificial. Faisons simplement confiance au Dieu, à Dieu et au moment favorable, il va créer l'opportunité nécessaire pour la percer. Simply trust the Lord your God and at the right time he will create the circumstances for you to be released. Et deux ans plus tard, Pharaon, Dieu donne, Dieu donne un rêve à Pharaon. 2 years later, God gives a dream to Pharaoh. L'opportunité. The que Dieu seul Dieu peut créer. Only God could create that opportunity. Et tous les marabouts, les sorciers, les féticheurs et tous là, personne n'a pu interpréter ça. And all of the other uh, magicians and diviners in Egypt at the time were unable to interpret the dream. Ils ont séché, séché. They were totally powerless. Et pour que Pharaon comprenne bien, deuxième rêve, pression maximale sur le roi d'Égypte. And in order to make sure that the Pharaoh was understanding correctly, he gave, God gave him a second dream.: Et là, les chansons te dit, dans un esprit le moment de, de, de retrouver vraiment la, 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 la de, 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 de Pharaon. And the cupbearer at that time said to himself, "Oh, this is where I can really win Pharaoh's confidence back.": dit, je qui peut tes rêves. And so he goes to Pharaoh, he says, "Listen, Pharaoh, I know a man who can interpret your dreams." Et là il parle de Joseph. Who he talking about? Joseph. Frères et sœurs, des choses que Dieu suscite qui se passent. Joseph est en prison, c'est même pas ce qui se passe là-bas. Donc quand tu es dans le désert, t'inquiète pas, t'inquiète pas de ce qui se passe. Dieu gère. When you find yourself in the Frères et sœurs, si tu gardes la foi, Dieu gère. Dieu gère ta situation. Laisse Dieu gérer. Ne dis pas ça, c'est trop long, ça prend trop de temps. Laisse Dieu gérer. Let God handle it. Don't start to say oh it's taking so long lord. Let God handle it. Parce que contrairement parfois ce qu'on peut penser, il y a des choses que Dieu a besoin de briser, de casser, de détacher de notre cœur, de notre âme. Contrary to what many of us believe, there may still be things in our lives that God wants to purify and break and, and deliver us from. Qui risque d'être pour nous une pierre d'achoppement si il nous, nous plaçaient trop vite à un niveau élevé. Quickly, And, et nous serions les premiers à, re, à reprocher à Dieu de nous avoir élevé trop tôt. Et là. Joseph est sorti de prison, il se retrouve exactement là où Dieu voulait soit. So, 2 years later, Joseph comes out of prison and he finds himself exactly where God meant for him to be. Devant Pharaon lui-même. L'homme le plus puissant de la planète à l'époque. Le petit Joseph qui a commencé à 17 ans avec des rêves. Dans un coin perdu là-bas à Canaan, and we dont je ne sais même pas si Pharaon savait même que ça existait. Frères et sœurs, le jeune Joseph se retrouve devant Pharaon en personne. 13 years later, young Joseph finds himself in. person in the presence of Pharaoh. Only God can do that. Thank you Lord for that divine intervention. His power. That is the power of God, brothers and sisters. The power of our God. là, du rêve Pharaon. And this is where we see Joseph was able to interpret Pharaoh's dream. Joseph a donné gloire à Dieu en lui disant que c'est Dieu qui va révéler l'homme. And in doing so, he even said, "I can't interpret it, but the Lord, my God, can interpret it." Le cœur n'était plus le même. His heart wasn't the same, was it? L'orgueil était parti. The pride was all gone. Là, c'était la percée. Then, that's when he saw the breakthrough. Et là, Pharaon va faire quelque chose d'extraordinaire. And then we see how Pharaoh does something truly extraordinary. Vous le lirez, Pharaon va va retirer son son anneau. You can read it later at home. He takes off his ring. And un this was the seal of the kingdom, the empire. Et, et remet le seau, son, he put son, this seal or this anneau, ring, Joseph. his authority on Joseph's finger. Mon trône. And he says to Joseph, the only thing that makes you different from me is that I'm on the throne. Le jeune Joseph devient le, le personnage le plus puissant de l'Égypte après Pharaon. Joseph became the most powerful man in Egypt after Pharaoh. La percée. That's the breakthrough. Une, 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 une influence extraordinaire. This is an influence that is extraordinary in the nation. Frères et sœurs, ce saut Était le symbole de that seal that Pharaoh gave him was a symbol of his authority. Du roi. The authority of the king. -à que tout ce que Joseph écrivait, In other words, everything that Joseph wrote down quand il prenait une décision, when Pharaoh made a decision. And when Joseph wrote things down or wrote down his decisions, he would put the seal of Pharaoh to seal it. La, la décision était comme si c'est Pharaon lui-même qui l'avait prise. And in doing so, it was as though Pharaoh himself had made the decision. C'est-à-dire exécutable immédiatement, sans discussion. Joseph executed, and it was uh, what Joseph decided was immediately executed without hesitation. Donc, donc si Joseph disait prenez-le, suis-là, prenez-le en prison, paf, tu étais en prison tout de suite, discute même pas. For example, if Joseph said take that guy there, throw him in prison, there was no hesitation. They did exactly what he said. Est-ce qu'on peut se lever Let's stand up now and realize là, c'est la percée frères et sœurs. C'était la percée. This was a breakthrough. Au bon moment, au bon endroit. Mais ce que je vous disais tout à l'heure frères et sœurs, n'ayons pas une fausse image de la bénédiction de Dieu. Voici la bénédiction de Dieu. D'après um, vous, Joseph avait moins de travail ou plus de travail que quand il était chez Potiphar. Plus de boulot. Obviously, more work, more responsibility. Mais plus de grâce. But also more of God's grace. Plus de faveur. More favor. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que Joseph avait 30 ans quand il s'est présenté devant Pharaon. Et ce qui est merveilleux, c'est que Joseph est mort à 110 ans. Il n'est pas dit qu'il a abandonné la foi. Not once did it say that Joseph abandoned his faith. Et, et, et véritablement, quand on lit les, les derniers instants de sa vie, la faveur de Dieu a été croissante sur la vie de Joseph. De 30 ans à 110 ans. Comparé aux 13-14 ans de galère, est-ce que le jeu n'en valait pas la chandelle? look it isn't that compared to 13 years of difficulty that many years 70, 80 years of victory and grace and favor isn't that worth it. but don't forget joseph was confronting the principality over egypt in doing so. Fort. so obviously the level of consecration needed to be higher à l there was no more room for mistakes where god wants to take us brothers and sisters don't forget what he spoke to us on thursday night at the prayer meeting This is a time of our lives. Et il a dit en commençant par nous, les responsables. And it with our Personne n'est écarté dans cette affaire. No Réajustement. Parce que nous verrons la gloire de Dieu. Mais si nous ne sommes pas réajustés, cette gloire sera pour nous une source de destruction. The glory of God can become a source of destruction. Comme, comme elle a été pour et As in the case of Ananias and Sapphira in Acts chapter 5. Donc, frères et soeurs, ce temps pour nous Take this time, this week, brothers and sisters, to let God readjust you. Pour Dieu nous to let God stretch you, nous enlarge, nous enlarge nous you, nous and make you have a greater impact. Nous let Him transform your lives. Alleluia. Amen. Et vous savez, Joseph a manifesté des, certains, certains points particuliers dans sa vie qui l'ont permis de tenir. Que nous devons vraiment nous servir comme exemple. En sachant qu'il y yeah, a ici plus que Joseph. There's more than just Joseph at stake des, des, des here. Because in this room, we have men and women who are born again filled with the Holy Spirit. Donc, encore plus and so we have a greater grace than Joseph even did. The qualities that we see in Joseph's life: number one, the fear of God, qui est la haine du péché. which is the hatred of sin. Il a fui. Remember how he fled from sin. Obedience. La sagesse et le discernement, Wisdom, la, la conscience de la présence de Dieu. Awareness of God's presence. Il a su protéger son cœur. Et même à la fin, le dernier ennemi qui restait, c'était vraiment l'amertume par rapport à ses frères. Mais là aussi, il a, pu tri il a triomphé par la grâce de Dieu. Et il a su pardonner. Brothers, et il a su pardonner. La fidélité. Faithfulness. L'intégrité. La persévérance. Perseverance. Travailleur. He was a hard worker. Esprit d'excellence. Soumis aux autorités. He was submitted to authority. Et la conscience du combat spirituel. And he was aware of was spiritual nous. warfare. Let's raise our hands in the presence of the Lord as we meditate sœurs. on this. Merci Thank you Lord. Shana Shana Bandeleka. Prions, Bandeleka. Prions un court Let's pray de clôturer, frères et sœurs. Before we close, une saison nouvelle. Frères et sœurs, c'est une saison nouvelle. Ne une season. Let's all lift our hands in the presence of the This Lord. Ne passons pas à côté du plan de Dieu. Dieu veut nous élargir. C'est le thème qu'il a donné pour ce jeûne. The Dieu veut nous réajuster. Prions God par l'Esprit. So Dieu now. veut nous emmener quelque part. God wants to take us somewhere. Il a dit qu'il veut déverser dans cette maison ses écluses, ses déluge. une gloire extraordinaire. A glory that surpasses our expectations. Que personne ne rate cette gloire. no this glory does not come from a person pray. Pray. let's Recevons. pray in the spirit together let's raise our voices together il a dit persévérance, persévérance. he's speaking to us about perseverance receive, receive, now. La grâce receive pour it la now persévérance. the grace to persevere reçois la grâce pour persévérer receive the grace to si tu as un défi aujourd'hui reçois la grâce pour persévérer si tu as du mal là où tu es aujourd'hui reçois la grâce pour persévérer reçois le toucher de Dieu pour relever la tête David a dit oh éternel tu es mon bouclier tu es ma gloire et tu relèves ma tête David est you are my shield and my son and the lifter of my my glory and my lift, the lifter of my head que Dieu relève ta tête that God raise lift up your head now que Dieu te touche cet après-midi let God touch your life now afin que tu traverses ces épreuves so dans, that in les épreuves dans la victoire so that you can go through the trial and end in victory Reçois la grâce de Dieu ce Receive matin. The grace of God today. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Afin que le rêve qu'il a mis en toi soit révélé. Et que tu grandisses en influence. And so that you would increase in influence en autorité. Increase in authority, en impact. In impact individuellement. Individually, et ensemble. L'Église. Pour la gloire du Seigneur. For the glory of the Lord Amen. Amen. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Thank you Lord!